bonsoir. Nous avons Secrément Edens et nous avons ça tout en bien. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner sur la chaîne qui est Secrément Edens Haïti. Ça veut dire pas seulement garder, mais vous vous abonner tout. Ok, je vous dis à vous parler de nos bagages qui est extrêmement important. Et je vous dis à vous parler de tout. De un gros poteau de garçon. Garçon, nous sommes tous. Qui est Stenio Vincent. D'après le portrait de Stenio Vincent. Je vous dis à vous parler de Stenio Vincent. Mais avant de parler de Stenio Vincent, il faut parler de tout. Des gouvernements avant l'occupation américaine, des gouvernements pendant l'occupation américaine. Mais Stenio Vincent, c'était président qui devait mettre fin avec sa occupation américaine. Mais, on nous parler de sa gouvernement avant l'occupation américaine. Par exemple, Soupran et Saint-Sénat-sur-le-Comte, Soupran, Tangret, Auguste, Soupran qui est Michel Orest, Orest Zamor, David Matéodo et Vilbert Guillaume Sam. Ok, ma faute scrappe la sec pour me faire parler nous de sa de Vilbert Guillaume Sam. Vilbert Guillaume Sam me dit c'est président qui parle Maurice pendant période. C'est-à-dire pendant la dirige sous pouvoir, c'est lui qui parle Maurice sous pouvoir. C'est Vilbert Guillaume Sam. Et mais qui ça te gagne? Mais c'est ce prétexte à tout, à mettre au bal point pour entrer dans le pays. Qui ça te gagne? Et sous le gouvernement et Vilbert Guillaume Sam, il y a un gros problème dans le pays. Problème qui ça te dit? Il y a Rosalvo Bobo qui te prend des armes dans le nord, qui t'a fait une révolution. Et bien, Amérique a menacé et Vilbert Guillaume Sam, il a dit qu'il a entré dans le pays pour venir mettre l'ordre. Plus capable de réprimer les gens qui ont fait une révolte. Et Vilbert Guillaume Sam sous choc, elle a dit ça. Eh bien, Vilbert Guillaume Sam a couru dans Port-au-Prince, dans la capitale là, côté même leader politique dans la capitale de tout. Ça veut dire même ça, Rosalvo Bobo a produit dans le roi, il a menacé tout pour venir produire tout dans la capitale là qui c'était Port-au-Prince. Eh bien, qui ça Vilbert Guillaume Sam fait? Eh bien, il a passé l'ordre pour arrêter tous les leaders politiques. Et tout le monde qui suspecte dans le complot, puis on met en prison. Eh bien, là, on met en prison. Mais bon, général, il est général Etienne Oscar Etienne. Eh bien, monsieur, ça, monsieur, va le faire. Monsieur, va le passer dans la prison. Monsieur, va le tuer tout leader politique, prisonnier politique, va le tuer tout. Eh bien, ça va le faire, ça va un soulèvement populaire, côté famille, on va le soulever contre le gouvernement. Ça. Et bien, sortant de là, c'est soulèvement total. Ils ont pris l'entrée, ils ont pris le général Oscar Etienne, et ils ont tué monsieur, ils ont lâché monsieur, ils ont tué. Et bien, Vilbert Guillaume Sam, même quand il a pris refuge à l'ambassade de défense à cette époque, et bien, monsieur a pris le mourir. Il va trouver la mort dans la même situation. Ça a passé, soit le 27 juillet 1915, et bien, le lendemain, qui c'est. 28 juillet 1915, Amérique a débarqué dans le pays. Et bien, Amérique est entrée dans le pays, c'était 28 juillet 1915. Dans la même année, soit 16 septembre 1915, bien, il y a signé un accord entre le gouvernement haïtien, les rentrés dans le pays, il y a signé un accord entre Haïtien. On a haïtien quoi on doit faire. Signé un vieux accord de chat qui prend le mettre le pays dans le problème de l'évent. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et bien, en accord ça, les bails américains ont droit, c'est au guide droit pour être capable diriger l'administration publique. Par exemple, l'emprunt et le trésor public, les finances, l'emprunt l'agenda d'Haïti, l'emprunt qui est encore, l'emprunt comme si technique agricole, l'emprunt l'enseignement professionnel. Mais tout ça, il sous contrôle américain. Ça veut dire, Haïtien n'a pas fait rien sans aval américain. Et bien, pendant la période gouvernement, américaine, pas l'américaine comme si l'occupation américaine, mais qui président pour le diriger sous nous? Moi, j'ai un subdactique nave, nous avons Louis Bourneau, nous avons Eugène Noir. Mais, ma faut parler tout petit d'Eugène Noir pour être capable de comprendre Stenio Vincent. Mais Eugène Noir lui-même, il était un monde côté peuple a été en plus confiance dans lui, selon, par rapport avec honnêteté, il était gagné par rapport à l'ingé peuple. Eh bien, il va le confier, monsieur. Pouvoir, objectif de ce pouvoir, c'était pour organiser l'élection législative. Il a fini d'organiser l'élection législative pour que les bails des législatives, je ne parle pas comme si les parlements, les sénateurs avec les députés, mais nous, ça va parler de tout ensemble. Les réunis ensemble pour prendre une décision, mais ça va parler de l'Assemblée nationale. Et bien, ils vont réunir ensemble
plus capable de nommer le président dans le pays. Eh bien, et j'ai moi qui ça le fait, et respecter pour merci, ça a été mal fait à le faire. Et bien, ça le fait, il fait l'élection législative là, et bien, l'élection a fait le fait. Quand il y a là, le sénateur avec le député, ils ont réuni ensemble, à l'Assemblée nationale, ils ont nommé Stenio Vincent président pour 6 ans. Mais c'était de l'année 18 novembre 1930, ça veut dire 18 novembre 1930, l'Assemblée nationale là, réunie ensemble, il n'y a pas mettre Stenio Vincent comme président. Mais Stenio Vincent parlait pour compter seulement, il n'y a pas Stenio Vincent comme mettre. Mais... En 1937, j'ai eu 12 ans, j'ai tout le monde, même j'ai eu l'esprit. Je connais tout ça qui a passé dans les frontières. Aké, révélement dominicain à Haïtien. Pas de gain ni Haïti, pas de gain ni Panol. L'argent Haïti passé dans Panol, l'argent Panol même pas Haïti. Pas de division, dis le contraire. Dominicain, pas de gain aussi grand abcès devant sa rien, c'est au cap Haïtien qui est obligé de mettre le même devant, bien vendu. Tout le monde, ils mettaient avec Stenio Vincent, ils mettaient division entre Haïtiens et les Dominicains. Mais non, pas mourir avec même une balle qui tirait. Mon assassinat est ratio, piqueur avec les poillards, piqueur avec les baronnettes. Nous prenons six monde à terre, nous retournons dans l'air, nous pas les baronnettes pour nous. Est-ce que vous entendez? Non, même moi, pas honnête. Tout le monde est chauvin, mais nous, c'est dans la frontière, nous étions. Pas grand, il passait là, l'homme va contre nous. Mais ça craint qu'il fait ça. Tout le monde est incontrôlable, l'homme va contre. Haïti va pas contrôler ça, il passait là. Eh bien, Mounio qui mourit, il y a un qui vit. Blessé. Il y a un coup de manchette, il y a un bout de main, il y a un quoi, il y a un qui massacre. Mais il y a un qui vit. Il y a un ils ont mouru, mais il y en a qui n'ont pas mouru. Ils ont parlé de toute bagaille. Ils ont parlé de toute Mathieu, tout le monde qui était là, c'est celle qui sauvait. Vous comprenez, il y en a qui sont celles qui sauvaient. Après, ça va tuer l'autre. Élu président pour 6 ans, pas Assemblée nationale. Je ne parle pas d'Assemblée nationale, je ne parle pas des sénateurs avec députés. Les sénateurs avec députés mettent ensemble pour prendre décision, ils réunissent ensemble pour prendre décision, ils parlent d'Assemblée nationale. Et bien, c'est eux-mêmes, 19 novembre 1930, qui prennent réunir ensemble, qui prennent nommer Stenio Vincent président pour 6 ans. Mais, Pablo me dit ça, Stenio Vincent, qui a gagné en concurrence, c'était Simon Pradel. C'est mon cas d'elle, c'était concurrent, c'était mauvais sang. Mais à l'époque, mais, dis-nous ça bien, côté qui est l'Assemblée nationale, là, pour le préférer, je prends le point, c'était mauvais sang, au lieu de prendre, c'est mon cas d'elle. Quand on parle du gouvernement, c'était mauvais sang. Clé, ma frère, la sec, sous c'était mauvais sang. Objectif, c'est mauvais sang. Objectif, c'est mauvais sang, c'est pour te désoccuper le territoire. Ça veut dire pour te mettre avec eux, d'ailleurs, côté CIC qui a dirigé. Eh bien, ça va traiter là. Un an après, soit 31 août 1931, par les guillemets, quoi le signe entre des pays sérieux, entre les États-Unis et Haïti, eh bien, après, ça va le signer ensemble, côté, il va le remettre l'administration publique nommée haïtien. Parce que, il y a un accord qui était signé, qui était 16 septembre 1915, les Américains entrent dans le pays, eh bien, après, ça va le bailler Américains au droit avec l'administration publique, eh bien, ça a mis en fait, premier bagage, monsieur, c'est qu'il fait tout. Pour le capable retirer Américains dans le pays, il faut que l'administration du pays a commencé sous compte haïtien. Eh bien, 31 août 1931, eh bien, à quoi ça devait le signer, côté pour l'administration publique, par exemple, je prends la technique agricole, je prends l'enseignement et professionnel, je prends l'agent de l'armée d'Haïti, je prends les finances et trésor public, tout ça dans l'Amérique, et je vais le remettre ça sous contrôle haïtien. Deux ans après, 7 août, 1933, mais par contre, l'autre accord pas signé encore, côté pour
ça y est pour qu'on soit capable de remettre garde nationale. Ça veut dire qu'on soit remettre sur le plan sécuritaire pour que ces haïtiens qui dirigent le pays, qui baillent le ton, ça y est, c'est qu'ici qui baillent la sécurité dans le pays. Mais c'était 16 août 1933. Ça, tu vas le faire encore. 22 mars 1934, un an après, Stenio Vincent va aller rendre une visite et aux États-Unis. Eh bien, visite là va le faire. Il va le rencontrer ensemble avec Franklin Delano Roosevelt. À cette époque, c'était président des États-Unis. Et bien, monsieur tout, il dit que c'est le premier président américain qui est entré en Haïti. Et bien, monsieur va rencontrer Franklin Delano Roosevelt. Il va discuter ensemble. Et bien, 5 juillet 1900. Et 34 même année, mais c'était nous Vincent, et bien c'est nous Vincent non, Franklin de la Roosevelt, il va entrer en Haïti pour venir rendre Haïti une visite, pour venir rendre Haïti une visite, pour visiter Haïti. Et bien, après, M. Pral retourner dans le pays, et M. Pral prend décision dans le demain, côté que M. Pral dit, il va ordonner avec soldats américains pour quitter le territoire, côté c'est Haïtien de gérer le territoire. Et bien, 15 août, et 1934, dans la même année, eh bien, dernier soldat américain pour quitter le territoire, 6 jours après, les ça, drapeau noir pour refloter encore sous quinzaine de Dessalines. Mais il y a des gens qui disent que Stenio Vincent c'était un dictateur du tout. Mais le gars des gens qui ont dirigé, est-ce que c'est papa allemand qui rend Stenio Vincent un dictateur tout? Je ne connais pas, mais tout ça, on va le mettre ensemble avec moi, capacité ou même pour analyser ça tout. Mais Stenio Vincent avait un problème, il était rencontré sous pouvoir. Si vous l'avez rencontré, à chaque fois le financement avec un projet de loi, eh bien, loi va jamais passer. Loi va jamais passer, Parlement a toujours rejeté loi ça. Mais qui ça me soit fait, mais c'est pas le diriger tête en dictateur. Qui ça me s'est fait? Mais c'est pas le mettre la constitution 1932, il va d'accord pour dire sur le constitution 1932. Et puis ça me soit fait encore, mais c'est pas appuyer sous l'armée, force armée d'Haïti. Et bien c'est pour monsieur c'est deux gros boussoles il te gain. Et bien ça me soit fait. Pas oublier ça me dit nous mais c'est élu pour 6 ans de 1930 à 1936 mandat supposé fini et bien les monsieur arrivé à 1935 ça a son bagage qui gagne pour tout ancien président nous même nouveau président nous comme ça oui depuis mandat au pral bout même si on pas t'a fait rien même si t'a fait bagage sérieux il va jamais d'accord les mandats au bout il a toujours besoin pour t'a faire un petit prolongement pour la dire sur équipe football qui va là prolongation. OK, les arrivé en 1935. Et bien, monsieur va venir avec un projet de constitution, monsieur va le voir dans le Parlement. Et bien, dès juillet 1935, le Parlement va ratifier le projet de constitution. Le Parlement va ratifier. Et bien, la constitution, ça tout, pour le bail Stenio Vincent doit, pour le capable de craser le Parlement. C'est-à-dire que je dis à la craser le Parlement, il craser le Parlement. Même si je vois un bon président qui fait ça, et bien, ça, et sa constitution va la mettre doit. Là, le monsieur doit pour le craser le Parlement, je le veux. Ça fait un. Constitution tout bas mis ses doigts pour le nommer et magistrat dans la commune. Constitution bas mis ses doigts tout pour le nommer 10 sénateurs. Mais à cette époque, c'est 21 sénateurs de Gonié. À cette époque, pas de gain 30 sénateurs, 3 sénateurs par département. Pas de gain comme ça, c'est 21 sénateurs de Gonié. Eh bien, Constitution bas mis ses doigts pour le nommer 10 sénateurs. Et même Constitution tout bas mis ses doigts tout, dans la réponse qui est là, la baillon liste dans le Parlement. Et dans liste ça parlement pour pas choisir et au même dit député ou ma connaissance sénateur pour pas choisir reste 11 sénateurs. Ça veut dire que possibilité pour tout 21 sénateurs c'est mon pas Stenio Vincent pour lui. Ça veut dire tout pouvoir pour le concentrer dans mes seul Stenio Vincent. Sur le plan administratif, qu'est-ce que ça monsieur fait? Sur le plan administratif. Par exemple, soit prend premier plan soit prend sur finance, qu'est-ce que monsieur fait? Mais c'est pour acheter la banque nationale dans main une banque étrangère qui est Citibank. C'est pas une loi de 12 mai 1934. Pas une loi de 12 mai 1934, mais c'est pour acheter la banque nationale pour au prix de 5 millions de gouttes. Ça veut dire banque pas payé à la police si acheter pour acheter la banque nationale. Ça veut dire nous avons confisqué toute richesse pays. Sur le plan éducatif, eh bien la saline qu'on a avec ça qu'on a. La saline va regarder photo sale comme ça donné, on va regarder photo là qui est vraiment sale. Mais la saline va regarder cognac. Mais monsieur va transformer la saline. Monsieur va faire la saline devenir belle en pile. Et bien monsieur va regarder les frais salésiens. Les frais salésiens, même si même pas les frais salésiens, c'est signé sur tout ça les frais salésiens. Et monsieur va réunir nèg ça yo, il va ba occuper ça ou l'éducation dans zone ça. Côté nèg ça yo, va faire éducation marché dans zone ça qui était la saline.
sous prend tout sur le plan et agriculture qui ça monsieur va faire et eh bien sur le plan agriculture et eh bien qui ça monsieur fait 25 février 1935 le monsieur prend le signe accord et il passe sur accord il me dit monsieur comme est-ce que vous avez déjà cette époque il va signer accord ensemble avec une compagnie américaine qui les Standard Fruit côté les gain privilège pour acheter toute figue banane qui dans pays pendant 20 ans pour moi même. Bon, comme pas référer histoire encore, mais pour moi-même, d'ailleurs même, moi contre ça pas tellement bon parce que si me font contre ensemble avant, faut des fois tout connait de temps en temps marche à évoluer, faut me déca tout, par contre si tu gagne clause dans contrat tout, me déca arrêter comme si me déca paraît, me pas dire et souvent gens marche à évoluer, me là choisir couper à quoi avoir mal fait et mal fait marche avec l'autre, bon pas connait si ça me bal guidier. Ça déca clause dans contrat. Mon assassinat ratio pique à que poya. Puis piqueur de baronnet. Nous prenons tout le monde à la tête. Nous retournons à la baronnet. Nous ne parlons pas de baronnet. Eh bien, monsieur, pas si on a encore tout. Par exemple, sur les plans travaux publics. Par exemple, ça pourrait être travaux publics qui s'amusent à faire travaux publics. Et par exemple, ça pourrait être comme si la construction route, etc. Eh bien, il va si on a encore ensemble avec une compagnie américaine pour. Les faire route, construction, par exemple, pour faire irrigation, pour faire drainage, etc. Et bien, les voici en rapport avec une compagnie américaine, c'était 6 juillet 1938. Maintenant, nous avons fait notre réalisation, tout, nous avons fait pont, tout, nous avons fait lycée, etc. Nous avons fait notre réalisation toujours. Bon, nous avons fait ça au seulement. Sur le plan diplomatique, monsieur, vous connaissez Haïti avec ce domaine, l'objet de conflit qu'on a gagné côté Dominique et Pavlo Haïtien, ça se bagaille qui gagne depuis longtemps côté Haïtien Dominicain, toujours des problèmes, conflits, etc. Si vous avez des conflits tout sur territoire, tout, vous avez territoire, tout qui a fait, etc. Mais vous avez toujours des conflits, et comme c'est un petit gourmet entre deux territoires, entre deux pays. Eh bien, c'est quoi le fait 9 mai 1936, il y a un accord ici entre eux et Stenio Vincent, monsieur le Stenio Vincent, Joseph Gonzalez, bon Joseph Lennon tout. Monsieur Pral si un accord avec le président dominicain qui c'est Leonidas et Rafael Leonidas Trujillo à cette époque. Monsieur était un dictateur, monsieur a dirigé ces domaines. Et bien, accord ça va le signer pour capable gagner la paix entre deux pays. Haïti va avoir un conflit entre deux pays. Et un an après le passé, M. Sien a quoi en 1936, un an après le passé, eh bien, il va l'apprendre dans le journal, côté, il va le suivre environ 37 000 Haïtiens. Il y a des livres à vendre, il y a des livres à vendre, il y a plus de 20 000 Haïtiens, il y a plus de 37 000 Haïtiens qui va le mourir. Eh bien, qui ça, M. a accusé Haïtien ça? M. a dit que Haïtien a volé sa réunion, fait paysan. Ça veut dire, les mailles de bétail, comme si mon café le bat de tout, comme si Haïtien a volé. Et M. Béton, l'autre bagage sur Haïtien, encore tout, Haïtien, comme si a mangé, a volé, manger Dominique dans le bois. Pour y aller, M. Palbay, autorisation pour retrouver un paquet de bon Haïtien qui travaillent dans l'agriculture, par Haïtien agricole, ça peut être dans le jardin, etc. Il va faire un paquet de bon Haïtien. Eh bien, les M. Fin tout Haïtien, eh bien, le 2 octobre 1937, dans le domaine, M. Pral fait une conférence. M. Pral dit que c'est un problème que nous commençons à résoudre et c'est un problème que nous continuons à résoudre. Le problème, dans tous les haïtiens, c'est les haïtiens qui ont volé manger, nous commençons à résoudre le problème, nous continuons à résoudre le problème. Eh bien, c'est comme si Dominique et aussi Mo, ça a dans la bouche, monsieur. Eh bien, monsieur fait une déclaration. Dominique et commencé à tuer les haïtiens. Et c'est le même. Monsieur fait déclaration ça à Gabon. Eh bien, déclaration ça, monsieur Balfinfel, Dominique va le tuer Haïtien. Puis Haïtien, ensemble avec Poupo, ensemble avec Manchette. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'était soldat américain et soldat dominicain que tu as fait. C'était policier, c'était civil. Ça veut dire que les membres de la population commencent à touiller Haïtien. Déjà, il n'y a pas ni femme, ni garçon, ni petit petit. Et l'histoire a rapporté qu'il y a environ 150 Haïtiens. Eh bien, tout ça qui a passé, le gouvernement ne va jamais dire rien. Non? Il ne va jamais dire rien pour Haïti. Non? Mais à cette époque, tout, pour ne pas oublier, c'était Nouvessa et tes amis, bons amis, et Leonidas Trujillo. Eh bien, il ne va jamais dire rien. Eh bien, ces peuples-là qui pourraient informer de ça, et par un soulèvement populaire, ils pourraient demander
pour Stenio Vincent dire un mot dans la gare ça. Mais avant tout, pas bien me dire ça tout. Et je combat dire ça. Tu as un complot qui t'a mené à Stenio Vincent, tu as manqué tout Stenio Vincent. Bon, heureusement pour lui, le complot ça a été échoué, mais c'est pas tout le monde. Eh bien, qui ça va faire? Il y a un journal qui va informer ça. Côté États-Unis va le courant. Côté Mexique va le courant. Cuba va le courant. Eh bien, pays ça a exigé pour Haïti joindre yon et justice avec réparation dans la situation ça. Côté Dominique qui a retrouvé tout à l'heure pour Haïtien. Eh bien, il y a une commission pour ça fait. Mais avant de parler de commission qui monte, il y a un rescapé, il y a eu les Marguerite Pierrot qui prend témoigner. C'est bien, oui, beaucoup mieux, bien, c'est quoi, alors qu'il massacre. Mais vous venez. Il va tout aller sur celle pour nous. Dis pas que tu as au près ou mettre en prison femme, garçon, petit monde. Et bien lui-même il était en prison en tout. Qui ça raconte? Non, nuit les Dominiques au film manger, film boire, boire à bruit et cetera. Yo paraît, il y a l'en chambre côté te fermer garçon yo. Il y a yo prend garçon yo, garçon yo, il y a la rage avec au dans bois avec mon chèque couteau, yo tout garçon yo. Le film tout les garçons yo. Pour y retourner, pour y aller prendre fille avec Simonio pour retourner. Bonne chance pour Marguerite. Yo pensé yo attaché mais Marguerite. Yo prend fille en groupe de 6. Yo pensé yo fin attaché mais yo pensé yo bien rattaché mais pourtant mais pas bien attaché parmi groupe monde ça yo te mettre mais ensemble avec là. Bonne chance pour lui pas de bras ensemble avec yo. Fin détaché. Eh bien sous soit ça, ça m'a guéri pour le raconter comme histoire. Il était 9 petits mouns. Il va le perdre tout 9 petits mouns. Mais l'aile est tombée dans 3. Il était un petit peu de temps, il a crié. Il y a un gros soldat dominicain qui prend un petit peu là, il a décapoté un petit peu là avec le couteau. Mais bon, je trouve que tu es un petit peu là. Il y a un petit peu là. Il y a un petit peu là. Il y a un petit peu là. Il est tombé sous la hausse. Fio, tu es avec mon chef, garçon, tu es avec mon chef. Eh bien, Marguerite va le perdre 9 petits qui vont dans le soir ça. Il va le perdre maman, il va le perdre belle seule qui a gagné 3 petits mouns ensemble. Et comme si il va le perdre presque toute famille net dans ce domaine qui est celui de la Marvel qui va le mourir juste ça. Eh bien, pour me dire, le gouvernement va déjà me dire rien. Eh bien, c'est commission ça, la France et la France non, commission ça, les États-Unis. Ensemble avec Cuba et Mexique pour le former, il va demander justice pour Haïti. Eh bien, contre tout et ça sont surprises pour tout le monde, que tout le monde est étonné. Côté 3 janvier 1938, et Stenio Vincent va annoncer officiellement côté lui retirer plainte ça contre Saint-Domingue. Ça veut dire roi et tout il est c'est des amis monsieur. Eh bien tout il aurait les monsieur, tout le dit monsieur Consaki. Bon, il parle à monsieur, il fait tête monsieur, il dit monsieur qu'il a bail environ 750 000 dollars pour Aïssek mourir. Eh bien, ça, monsieur fait, monsieur prend des paroles, tout le monde dit, mais monsieur retire plein de ça. Eh bien, tout le monde dit monsieur a bail 750 000 dollars pour Aïssek mourir. Tout le monde bail 250 000 dollars. Les gens divisent 250 000 dollars par nos bail à Aïssek qui mourir. Ils ont vu que chaque Aïssek qui mourir vaut 12 dollars. Vous devez pas Aïssek. Chaque haïtien doit 12 dollars. Eh bien, même 12 dollars, famille victime ne va pas arriver à jouer. Ça veut dire son corps qui est stocké en l'air. Eh bien, ça va être un peu pour arrêter avec un bois, mais dans le bouche de haïtien. Non, monsieur, l'homme qui est sous pouvoir, à cause des occupations, ça m'a fait pour haïtien. Tu vas retirer la mec qui est sur le territoire. Retirer le monsieur Papa Vincent. Eh bien, tu vas aller pour le départ pour commencer le monsieur Kaka Vincent. Kaka Vincent. Mais, Dominique, vous avez dit que vous avez fait. Lorsque vous avez des haïtiens, par exemple, le monde, c'est bon monde, vous avez tout les haïtiens. Qui ça vous fait? Vous avez des questions que vous posez pour identifier est-ce que c'est haïtien. Vous posez une question, vous avez des mots. Vous avez dans des mots, vous avez bon pour prononcer des mots. C'était Périgil et Cotolito. À l'aide des difficultés, vous n'avez pas fait sur territoire, vous avez pour prononcer R avec J, qui est dans le mot ça, et bien, lorsque vous n'êtes pas capable de prononcer le mot ça, bien, ça veut dire dans la langue, vous ne pouvez pas prononcer le mot avec Dominique, et bien, vous utilisez deux mots ça,
qui s'est périgé là avec Cotonou et tout, et bien l'on va prononcer pour ça ou bien, vous dire vous-même ou pas, vous dominicain, laissez au tuyau ensemble avec Cotonou. Et bien c'est des mots que vous avez utilisé pour identifier qui moun qui dominicain, qui moun qui pas dominicain. Et bien, ça te va le fester une nouvelle sans venir impopulaire, et bien peuple va le soulever pour plus sur les caca Vincent. Et Rémi s'était fait. Constitution ça te vient avec qui c'est 1935 là il était pour deuxième mandat il te mettait tout il te mettait dans constitution ou pas pour un troisième mandat ça veut dire constitution t'est interdit un troisième mandat l'école brûle la pour cacher s'il pas de faire ça il t'a toujours joué sur constitution pour avoir un troisième mandat mais c'est vinn impopulaire et la presse nationale vinn nagui monsieur tout parce qu'avec ça monsieur vinn faire retirer il vinn tirer plainte les retirer plainte en compte et dominicain avec après tout haïtien ça fait mourir côté moi l'idée me dit tout est-ce que pas cette fois ça tout américain campé pour nous et cette fois ça l'histoire rapporté côté américain yo ensemble avec Mexique et Cuba ont fait une commission pour faire Haïti jouer justice et bien ça pral faire peuple là venir raïste nous vincent et bien l'assemblée nationale yo pral mettre tête ensemble encore soit que les ouais l'Assemblée nationale là pral élu qui est soit là et comme successeur Stelio Vincent c'était Élie Lesco mais l'Assemblée nationale là pral élu et pral mettre Élie Lesco comme président pour 5 ans. Bon merci avec vous même qui t'a gardé qui t'a pris le temps pour l'histoire ça pour arriver à comprendre plus bien gros poteau de garçon ça qui c'est Stelio Vincent. On s'alarme toujours. Si vous voulez le nouveau secondaire de NSRAP, l'histoire ça aide nous en pile. L'offre nous comprend l'histoire bien, mais ça, l'offre nous comprend l'histoire de sa histoire. C'est comprendre, l'offre nous comprend mieux, l'offre texte historique, l'offre de citation, mais ça va bien assez des arguments pour pouvoir parler parce qu'on a une histoire bien. Mais je vais tout dire, avant d'aller, sans encouragement, pour ne pas payer. Je vais dire, la connaissance n'a pas de prix, pour ne pas payer, c'est le mot, regardez, c'est le mot, mais ça fait. Donc, moi, abonné. Fais l'autre monde qu'on aime, seulement partagez-le, fais l'autre monde, fais promotion pour moi, pour ça, je avance de l'avant. Ça qui parle de moi, une satisfaction, c'est le regarder et puis tout, vous faites ça au relais et au bon, ça vous voulez abonner. Sous Aidens Haïti, Aidens Haïti, et Clément Aidens Haïti. Mais pas oublier, pas seulement rester de la coiffe pour vous et bah, seulement en écouter tout et puis tout, abonner, garder, etc. Moi, espérez que vidéo ça, ou même vous venez comprendre plus mieux encore, c'était bien récent. Merci.